Je suis en train de faire mon couscous algérien avec plein de légumes. Voilà, j'ai mis du mouton, le cou du mouton et puis la chair du bœuf aussi. Voilà, je laisse cuire. Et après, je vais ajouter mes légumes. Ça sent vraiment bon. Si tu peux écouter, si tu peux sentir, je veux dire quoi. Mais écoutez, mes amours, aujourd'hui, je vous apporte un bain pour puiser l'énergie. Donc, comment puiser l'énergie physique et interne? Nous allons faire un bain franchement qui va nous aider à avoir l'énergie, nous favoriser l'énergie pour que le matin tu te lèves avec envie, avec force, avec comment dire, courage, détermination, etc. Et puis tu passes ta journée dans des bonnes conditions, que tu as la force de vouloir faire 1000 choses à la fois. Donc ce bain va te donner une énergie. de faire. Ici là aussi tu peux boire, donc comme j'ai dit, extérieur comme interne, d'accord, parce que en même temps c'est comme un thé, tu le bois, tu te laves et tu bois en même temps. Moi je fais ça pour moi quand je me sens vraiment fatiguée, épuisée, etc. Je prépare ça et puis je mets une partie dans ma théière. Je vais te montrer. Je mets là une partie dans ma théière que je dépose au frigo. Et après je prends un verre de temps à autre quand je veux dans la journée, mais normalement c'est un verre matin à jeûne et puis au coucher un verre le soir au coucher. Mais moi, bon, Belle, vous savez comme Belle, elle est Belle, fait ces choses comme ça lui sort de vous comprenez quoi, pour ne pas parler, pour ne pas prononcer le nom. Comme je disais tantôt, ce bain-ci, c'était en même temps, elle t'apporte plein de vitamines, de vitalité, d'énergie, etc. J'ai la plante ici. J'ai la plante ici, elle était déjà un peu sèche, donc je l'ai mis, je l'ai pour déshydrater. Je te mettrai la photo là pour que tu puisses savoir à quoi ça ressemble. Je connais pas le nom scientifique de cette plante, mais nous, moi, mon papa l'appelait toujours Bébassidi. Je sais pas si je le prononce bien. Je sais pas son nom scientifique, je ne connais pas. Pour ceux qui le connaissent, quand vous allez regarder la photo, tu vas me dire aussi son nom scientifique, mais chez nous c'est Bébassidi, d'accord. Et là il y a plein de choses du coup que j'ai souvent envie de vous montrer, mais que je ne peux pas vous parler parce que là du coup j'ai été initiée par mon papa, montrée par mon papa. Il m'a montré ses herbes, ses plantes en langue quoi, en d'autres langues, et du coup pour moi c'est difficile de trouver en français et puis vous présenter. Donc ce qui fait que je garde parfois certaines choses pour moi. Donc là j'ai 1 litre d'eau à bouillir, d'accord. Je vais venir incorporer ma plante et puis laisser bouillir 10 à 12 minutes parce qu'elle doit prendre de la couleur, elle doit s'infuser. Rappelle-toi que j'ai dit que ça se prend aussi comme le thé. Donc tu te laves avec, tu fais un bain avec et en plus tu le bois comme thé aussi. Ça va t'aider intérieurement comme extérieurement. Donc voilà, nous allons laisser bouillir et tu verras le résultat à la fin. Pour le bain,
tu te laves avec ça très très tôt le matin. Tu as le choix très très tôt le matin ou encore le soir avant d'aller au lit. Oh my god, quand tu vas te lever le matin, hein, je t'assure que ça serait comme, c'est comme si Dieu t'avait béni, quoi. De toutes les façons, nous sommes déjà tous bénis par le Seigneur, mais c'est une manière de te faire comprendre que tu serais mille fois béni. Tu vas sentir la pêche, l'envie d'aller à ton travail, l'envie de faire, je ne sais pas, de croquer le monde. Pour dire, de croquer le monde. Donc, tu mets ça, tu laisses, on va laisser bouillir bien, bien, bien. Je vais garder une partie. Une partie que je vais prendre comme thé et l'autre partie, je vais me faire le bain ce soir avec. Il est exactement quelle heure il est? Il est 7 heures. Il est 7 heures et 11 minutes. Il est 7 heures et 11 minutes. Je fais ma cuisine parce que là, une amie à moi est allée laisser ma fille à l'école comme faveur. D'accord? Et voilà, donc j'ai dit ok, je fais ce que j'ai à faire, je cuisine rapidement et ça me laisse le temps de faire mes consultations. Là, je prépare mon thé et après je fais mon, je laisse le reste pour mon bain. Si tu regardes, la couleur commence à changer. Voilà, ça change, ça prend déjà de la couleur. Donc, tous ces arômes-là, c'est ce que tu as besoin. D'accord? Et là, j'ai ma théière déjà prête à tamiser. Et puis, je vais boire. Et le reste, je me laverai avec ce soir. Voilà. Laissez bien bien bouillir. Il y a des bains où je demande souvent de ne pas laisser bouillir, mais sur ceci il faut laisser bien bouillir. D'accord, si tu as la plante toute fraîche, elle est fantastique, tu veux faire directement chez moi. Je l'avais un peu séché parce que j'ai pas eu le temps de la faire, quoi. Tu vois, donc c'est un peu ça. Mais bon, que ce soit sec ou fraîche, elle est valable, quoi. Voilà. Je crois qu'à ce niveau-ci, je dois arrêter le feu et puis laisser reposer juste un peu avant de tamiser. Là, je vais procéder à tamiser la partie que j'ai besoin là, comme ceci. Aujourd'hui là, je suis en train de graver avec ma caméra, avec mon téléphone, pardon. Il y a des jours, surtout ces derniers temps-ci, je sais pas ce qui m'arrive, j'ai fait des conneries. Regarde, tu vois bien comment la couleur a changé. C'est pas mal de graver aussi avec le téléphone, mais le truc est que ça bouge beaucoup, l'image bouge beaucoup et t'as pas facilement, t'as pas, comment expliquer ça, tu peux pas utiliser tes deux mains, c'est un peu ça, quoi. Par contre, quand tu le graves avec ton appareil et puis le tripoli, je vais dire le trois pieds, c'est là, ça bouge pas et puis c'est tranquille. Donc voilà, celle-ci, je vais le laisser. Ça, tu vas prendre donc quand tu as déjà eu ton thé, comme ceci. Ça, c'est celle que tu vas boire, d'accord? Et celle-ci, tu vas prendre ton bain avec soit le matin ou le soir avant d'aller au coucher. C'est plante là, c'est avec ça que tu vas te frotter le corps. C'est-à-dire que quand je dis frotter là,
Imagine-toi que tu es en Afrique, là, que tu es en train de laver le derrière de ta mamie, de ta mamie que tu as mis sur le feu de bois, que tu sois en Afrique ou ici, là, il y a les mamies, les trucs qui sont vraiment grasseux. Imagine que ton corps est grasseux, là. Tu frottes, là, avec la plante, là. Cette plante-là, c'est avec ça que tu vas te frotter bien, bien le corps. Et après, tu vas laisser ton corps se sécher tout seul. Tu n'as pas besoin de te sécher avec une serviette, quoi. Tu laisses que ton corps se sèche tout seul. Et pendant ce temps, tu bois celle-là. Je sais que je répète encore et encore, mais ça vaut le coup pour que vous puissiez bien comprendre. Là, du coup, je vais me servir un verre. Que tu vois une demi-verre, j'espère que ça va pas me casser le verre parce que c'est encore très très chaud. C'est encore très très chaud. Et de l'autre côté ici, ça promet ça promet mon couscous, ma sauce. Donc là du coup j'ai déjà incorporé mes légumes, j'ai mis la patate, j'ai mis comment ça s'appelle là, du calabassa, ici nous on appelle ça calabassa, je sais pas comment on appelle ça en français, donc c'est ça, et puis j'ai mis des bougettes, j'ai mis des carottes aussi, ça comment ça s'appelle? Ça, c'est calabacine. Le vert, nous, on appelle ça calabacine. Et le jaune, nous, on appelle ça calabassa. Et puis, j'ai mis des carottes et puis quelques pommes de terre. Et puis, déjà la viande. Donc, je laisse cuire là à feu doux. Donc, ça promet vraiment ici. Ça doit tarir. Et voilà. Donc, je crois que je vous ai tout dit là. Je bois ce verre à votre santé, à ta santé. Voilà, très très beau. Regardez-moi ça. Voilà. Faites-le et venez me laisser les commentaires. Dites-moi comment tu t'es senti avec le bain, avec l'infusion, en le buvant. Franchement, n'hésite pas à le faire. La plante, je sais qu'elle est difficile à trouver. Moi, je la porte de l'Afrique. Je demande aussi, on me l'envoie aussi depuis l'Afrique. Donc, du coup, je sais pas si ici, tu peux trouver ou pas. Mais bon, si tu trouves, ça sera idéal. Allez, je vous adore mes amours et à la prochaine vidéo.